Pardon. Vas-y. Ouais. Ouais, donc petit point, on a fait la VT2 avec le nouveau ancrage d'amortisseur à carré haute. Et on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai un peu de train arrière baladeur. On est en SP3, il fait assez chaud. Il fait 34 degrés à l'air. Il n'y a pas trop de soleil, donc la piste peut pas être énormément chaude. Il faudra attendre pour rentrer tout ça. Ça va arriver. Ah bah oui, elle est plus grande et plus lourde. Là, la ligne droite, des fois, elle est plus lourde. Ouais, c'est pour ça qu'elle me manque la grande là. Là c'est une 6S mais et d'un côté ça la montrerai après. C'est la flottation d'une VT classique. Hein. Oh bah là. Vas-y grand. Oh,
nous derrière. Donc là, on se reprend, j'ai remis des RD derrière. Vous avez vu, le train arrière était vachement baladeur. Malgré la chaleur qu'il fait, ça collait pas. Donc, ouais, déjà rien à voir. Ouais, là vous voyez qu'elle est beaucoup plus saine. Le train avant, il est hyper démoniaque, hyper réactif avec la modification de Rios. Là, la voiture est produite. Alors peut-être qu'ils vont surchauffer avec le... avec le tour qui s'enchaîne. Mais là, tu vois, même en ayant des gros coups de... En mettant des gros coups de volant, la voiture elle bouge pas. Donc je le répète à chaque fois, hein, mais au lieu de structurer l'esprit avec tous les réglages, essayez bien de mixer vos pneumatiques pour avoir déjà le meilleur comportement avec des pneumatiques et après éventuellement vous ajustez suspect, angle, géométrie, mais ça change tout. Les pneus, ça change. Vous voyez bien là. Avant j'étais quasiment en brique. Et ce train avant, il est scotché, il est rigide, c'est impressionnant. Bon, elle donne quoi, t'as envie de lui donner. Allez bébête, allez bébête, allez bébête, yes! Vraiment une super caisse. Légère. Vive. J'ai quand même un chouïa de... Après c'est bien, j'ai de l'avant, j'ai beaucoup d'avant à basse vitesse. Et il s'est quand même assez en vitesse élevée, ce qui permet d'éviter les statues, tout comme ça. Ça c'est l'avantage des 4x4. Hein. Petit saut. En tout cas la réaccélération, elle est spéciale. On va essayer la ligne droite tout à l'heure, même s'il y a un petit piston au fond. On ne voit pas le bas parce qu'il y a un peu de radeau. Mais ouais, tu vois là-bas. Hein. C'est une droite, c'est vraiment ce qui fait dur. C'est ce circuit qui est sur le petit circuit assez. C'est anodin. Un peu de la ligne droite, et puis des cônes au bout.
Tu vois, c'est le genre de fissure qu'il y a sur le circuit. En F1, là, tu passes pas, là-bas, t'as trois broussailles. Désolé pour les bruits les gars. Je sais que c'est pas cool. J'ai essayé de vous copier. Ah ouais. La voiture est transformée avec ses pneus arrière. Tout ça. Là j'y vais doucement parce que effectivement, je pense que c'est un bout de circuit qui fait. Quelques mois que personne n'a pris. Tu vois, là-bas il y a des pailles. J'ai dit c'est tout quand même. Toujours cette nappe de paille là-bas. Pas de savoir. Oh là là. Ah ouais. Allez, loot.